Au Burundi, nous avons la culture de conserver l'argent à la maison. Ça, ce n'est pas l'économie. Il faut que l'argent circule. Il faut faire sortir de cet argent dans le circuit économique. Mais il y a des gens qui veulent toujours, quand ils voient des paquets, des billets, ils se sentent riches alors qu'ils sont pauvres. Ce sont ces gens-là qui conservent les billets à la maison, qui nous appauvrissent. Cet argent-là caché dans la maison, il faut la sortir et le mettre dans le circuit économique. Si vous n'avez pas d'initiative, il y a d'autres personnes qui ont des initiatives, qui vont trouver cet argent dans les banques. Il faut le mettre dans les banques pour que les gens d'initiative trouvent des financements pour les projets. Et vous allez gagner comme ça parce que vous n'avez pas d'initiative. Mais il faut faire sortir cet argent. J'ai eu à échanger avec quelques commerçants. Je leur ai dit, un jour, je vais trouver une solution de les faire sortir, de sortir cet argent-là. Je sais comment le faire. Et je vous avertis, un jour, je sais comment le faire, cet argent deviendra des papiers. Argent caché dans les maisons, un jour deviendra des papiers. Et je sais comment le faire. Je vous avertis. Je sais que vous en avez beaucoup dans les maisons. Parce que je sais pourquoi vous le faites. C'est une façon que vous avez trouvée pour faire la fuite fiscale, évasion fiscale. On vous paye, vous demandez à celui qui vous paye de mettre ici un compte qui n'est pas connu par la banque et vous prenez cet argent, vous le mettez à la maison pour échapper à la fiscalité. Je sais.